Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de Nano. Nano, c'est lui, il vous salue. Voilà. Alors, chers amis, vous avez pu le constater lundi, mais si vous arrivez tout juste sur ma chaîne, eh bien écoutez, je vais vous le rappeler. Vous pouvez trouver dans la description de la vidéo, dans le menu déroulant, il suffit d'appuyer sur plus, hein, d'accord, hein, sous la vidéo, il y a description, voilà, il y a plus, voilà, et puis il y a quelque chose qui se déroule, hein, voilà, c'est toute la description de la vidéo. Néanmoins, je ne décris pas la vidéo, non, je vous indique comment acquérir mes oracles parce que j'ai créé une boutique en ligne, hein, d'accord, vous pouvez les commander directement. Je vous invite fortement à utiliser un moteur de recherche qui a un traducteur intégré, hein, d'accord, genre Google Translate, hein, d'accord, parce que ma boutique en ligne, eh bien, elle est, je dirais, d'une manière générale, elle est en anglais, bon, en utilisant Google Translate, très honnêtement, vous pouvez le mettre en français, ça se traduit en français, tout va très bien, d'accord. Vous allez donc retrouver l'ensemble de mes créations, quel que soit votre pays. Francophone, si vous êtes au Canada, mais que vous n'utilisez pas l'euro comme nous, chers Européens, eh bien, ma foi, c'est plus un problème parce que vous pouvez changer la devise en bas, à droite de la boutique. Hein, d'accord, c'est vraiment pas un problème. Et puis, vous pouvez visualiser l'aperçu des cartes, hein, sont composés exactement les oracles, en cliquant sur la photo qui vous intéresse, hein, de l'oracle qui vous intéresse. Cliquez ensuite sur Open Preview ou Ouvrir l'aperçu, hein, suivant si vous êtes en anglais ou si vous avez traduit la page en français. Bon. Et puis, quand vous arrivez sur ces cartes, il y a un petit liseré rouge sur les cartes. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ça, c'est pour donner l'aperçu au créateur, pour cibler si son texte rentre dans les cartes ou non, ou si ça dépasse, qu'il faut modifier les cartes. Hein. Le liseré rouge n'apparaît pas sur les cartes quand vous les commandez. C'est une évidence, hein, d'accord? C'est un aperçu, hein, d'accord? Là, ce lien-là, c'est un lien de commande directe, mais de commande directe chez mon imprimeur. Hein. Donc, c'est ce qui favorise, bah déjà, ça va vachement réduire les temps d'attente. Hein, okay. Concernant ceux qui m'ont acheté directement et qui ont précommandé l'oracle visagiste. Alors, au moment où je vous fais la vidéo, je n'ai pas encore reçu. Alors, je vous le dis, on est milieu de semaine. Bon, moi, j'ai fait la vidéo il y a 8 jours en arrière. Hein, okay. Donc, au moment où vous la regardez, à ce jour, on est le 10 février, au moment où je fais la vidéo, on est le 10 février, je ne les ai pas encore reçus. Ils sont prévus normalement pour demain, mais j'espère qu'il ne va pas y avoir de retard. Mais néanmoins, ne vous affolez pas, ceux qui l'avaient précommandé, dès que je les reçois, je vous préviens par mail et je vous les envoie dans la foulée. Hein, là, ça va être une affaire, allez, de maximum encore une semaine ou deux, hein, je pense, un grand max. Hein, c'est censé arriver, mais bon, je préfère prévoir large. Et puis, bah, pour les autres, eh bien, écoutez, voilà, hein, en tout cas, c'est possible désormais de les commander directement. Et ce qui va vachement réduire, là maintenant, quand vous commandez directement chez mon imprimeur, très honnêtement, les oracles, et ça, il n'y a pas de problème, il est pile poil à l'heure pour l'avoir testé, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est commandé, quand il vous dit c'est entre telle date que vous allez le recevoir, ce sera entre telle date que vous allez le recevoir, il faut compter à peu près 3 semaines, 1 mois, au lieu de 2 mois quand je faisais mes précommandes. Hein. Donc on gagne quand même un sacré paquet de temps. Vous avez plusieurs options. Pour chaque jeu que j'ai créé, vous pouvez l'avoir sous film plastique, sans emballage ou avec un emballage personnalisé. Et évidemment, quand on choisit l'option emballage personnalisé avec les cartes, ça coûte plus cher, hein, c'est une évidence, hein, d'accord. Mais je vous laisse aller découvrir tout ça, hein, là je pense que j'ai tout expliqué, donc désormais ce ne sont plus des précommandes, ce sont des commandes directes. Allez, donc ça c'est fait, ça c'est dit, et c'est tout expliqué en plus dans la description, mais néanmoins, c'est redit, et puis voilà. Alors, aujourd'hui, je vais faire un tirage en 13 cartes. Ah ouais, je me suis éclatée. Moi, la semaine passée, il était génial. Donc, je vais me laisser inspirer par les guides. Et puis, on va voir un petit peu ce que les guides vont vous raconter. Donc, on va faire une belle histoire, là. Et puis, j'intitulerai ensuite la vidéo. Hein, d'accord? Allez, eh ben, on est parti. Alors, j'ai bien baissé la caméra, par contre. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire sur le plan sentimental? Ouhouhou, il y a de la transition pour aller vers un véritable bonheur. Suite d'ailleurs à un déboussolement, hein, d'accord, mais là je dirais qu'il y a vraiment une transition et on s'en va, il y a peut-être un effet un petit peu perturbant, une période un petit peu perturbante sur le plan sentimental, néanmoins on est en train de vous dire que c'est transitoire et que c'est nécessaire pour aller vers un véritable bonheur. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal.
Très bien, si c'est transitoire et pour aller vers le bonheur, alors on est bien. Ouais, mais ça insiste, hein. Ça insiste vraiment là-dessus. Ouais. Alors, c'était une période. Ouais, alors ça peut durer ça va durer plus ou moins longtemps, hein. Suivant les cas, c'est un petit peu ce que c'est en train de me raconter. Cette période transitoire, cette période un petit peu déboussolante, il faut savoir que les énergies sont quand même assez fortes. Surtout depuis début 2021, je peux vous garantir que ça se coule, hein. Franchement, c'est assez impressionnant. Néanmoins, voilà, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais l'objectif est le même, hein, d'accord? C'est pour aller vers un véritable épanouissement, vers un véritable bonheur. Bon, bah tant mieux, hein, je vous le souhaite. Alors, les guides, s'il vous plaît, je vais donc faire un tirage en 13 cartes. Donc, il faut bien me placer les cartes. Oui, mes petits lapins, s'il vous plaît. Alors, donc, quelles énergies sentimentales sommes-nous? Qu'avez-vous à nous raconter sur le plan sentimental? Que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Qu'avez-vous à leur dire? Il n'y a plus de message annexe là. Non, il y a trop de cartes, les petits lapins. Ok. Ah, vous me dites stop et je fais ma coupe. C'est bon. Ok. Allez. Ah, coupe. Waouh, 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 waouh. Discussion de chez discussion. Hein. D'accord? Il peut y avoir de la discussion intime. Il peut y avoir un appel téléphonique. Il peut y avoir des échanges verbaux. Mais d'ordre intime, hein, d'accord, ça va être un petit peu les deux oiseaux de nuit qui vont se retrouver pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter. Il y a une discussion à cœur ouvert également, hein, d'accord. Puis il y avoir de l'invitation, hein, de l'invitation justement. On s'appelle pour se retrouver quelque part et pour discuter entre quatre yeux. En tout cas, c'est ce que je ressens. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça va nous annoncer. Donc là, je vais placer 13 cartes. Ce n'est pas un tableau Lenormand classique, hein, d'accord? Le tableau Lenormand, j'utilise toutes les cartes. Là, il n'y en a que 13, hein, sur la table, hein. D'accord? Donc c'est différent, c'est pas pareil, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais le dimanche, hein, pour information. Néanmoins, pour ceux qui s'intéressent au Lenormand, hein, un petit clin d'œil à ceux qui me l'ont commandé là déjà, hein, le Normand que j'ai créé, l'un des le Normand que j'ai créé, même les deux, d'ailleurs, je les commande pour les deux, tant mieux. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais vous pouvez observer la méthode. Alors, tirage à 13 cartes, tac, vous allez voir, on va tout compter de 5 en 5 et ça va nous raconter, pardon, une belle histoire. Yep. Et là, je fais un tirage sentimental. Donc, je vais les interpréter sentimentalement parlant, ces cartes. Allez, on est parti. Donc, à la première, on a quoi? Waouh, 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 on est dans les relations triangulaires. Là, c'est relations triangulaires, relations cachées, relations discrètes, hein, comme un petit peu ce renard-là qui s'en va, qui s'enfuit vers une autre maison en regardant derrière lui s'il ne se fait pas choper. Hein, d'accord? On est plutôt là-dedans. Ensuite, donc, on compte de 5. En 5, en comptant la carte qui a retourné, toujours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on atterrit juste en dessous. Ouais, il va y avoir du déplacement, hein, d'accord? Je dirais que là, en l'occurrence, celui qui est engagé va réussir à se déplacer, va réussir à se dégager du temps pour venir vous voir, ou inversement, c'est peut-être vous qui allez vous déplacer vers lui parce que la voie est libre, hein, d'accord? Mais il y a vraiment une notion de voie libre, hein, là, hein, donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, on atterrit juste en dessous. Hein. Ça va être une transition. On parle encore une fois de moment transitoire. Hein, d'accord? Donc ça va être un moment quand même qui ne. Pour moi, ça ne durera pas toute la nuit. Hein, d'accord? C'est un laps de temps. Vous allez réussir à vous voir, vous allez réussir à communiquer, à avoir un moment ensemble. Hein, un petit peu. Ouais, bah, c'est le principe même des relations triangulaires. Mais très honnêtement, voilà, c'est pas parti pour une nuit entière. 1, 2, 3, 4, 5, on atterrit à celle qui est tout en dessous, vous ne pouvez pas voir. Ouais. Alors, il va y avoir des obstacles hein, quand même, hein, très honnêtement, et vous allez discuter un petit peu des obstacles. Moi, je sens quand même que dans ces triangulaires, ça fait un moment que ça dure et que vous commencez à en avoir ras-le-bol. Vous commencez à en avoir sérieusement ras-le-bol d'être. Bah de récupérer que les miettes de la vie de votre autre. Hein, hein. Très honnêtement, c'est ça. Et ça commence à grincer des dents. Et ça va commencer à sérieusement poser problème dans vos relations. Dans votre relation. Parce que vous aspirez à autre chose. 1, 2, 3, 4, 5. On atterrit tout en haut. Wouhouhou! Ça va tellement poser problème qu'il y arrivera un moment où vous allez avoir envie de larguer les amarres. Hein. Très honnêtement, ce sera peut-être un petit peu la dernière fois où vous allez vous voir parce qu'il y en a ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol
d'être uniquement les miettes de sa vie, de ne récolter que les miettes de sa vie. Donc il peut y avoir séparation. Mais c'est pas une séparation dans la souffrance, c'est que c'est vraiment un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol, je mérite mieux. Il peut y avoir d'ailleurs, je dirais, d'autres prétendants autour de vous. Enfin voilà. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que ceux qui sont concernés par cette vidéo ne veulent pas souffrir de cette séparation. C'est eux qui sont décisionnaires. D'accord? C'est eux qui vont dire là, c'est bon, stop, j'en ai un ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Et le fait que tu n'aies pas pris de décision, que c'était comme ça, un peu à la va-vite, un 5 à 7, hein, pour parler clairement, ça a commencé à atteindre vos sentiments. Très honnêtement, ça a commencé à atteindre vos sentiments. Et puis, bah, du coup, ça va arriver jusqu'à une séparation parce que bah, c'est toujours une triangulaire et que vous n'êtes toujours pas sa priorité. Hein, d'accord? Et ça, quel que soit un petit peu, bah, si vous êtes un homme, une femme, ça change absolument rien. En tout cas, il y a un ras-le-bol d'être un amant ou une maîtresse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, on atterrit ici. Ouais, ça va déboussoler votre autre. Hein. Pour le coup, ça va complètement le déboussoler, je dirais qu'il ne va pas s'attendre à ça. Lui, il va partir du principe, ah, ben, c'est bon, j'y vais, je vais pouvoir la voir libre, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Enfin voilà, c'est compliqué de se voir, surtout avec ce couvre-feu à 18h. Là, elle va être toute contente et ça va complètement le déboussoler, parce que lui, il va arriver, il va se faire larguer. Très honnêtement, ça va être un peu ça et ça va complètement le déboussoler. Eh ben ouais, mais bon, en même temps, il fallait prendre des décisions, hein, parce que ça va bien, hein, d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le popotin de la fermière, bon, ça va bien 5 minutes, hein, il arrive un moment où ça peut forcément taper sur le système de celui qui ne se récupère que les miettes. Hein. Moi je vous comprends là-dessus. Hein. Franchement, je vous comprends. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, on atterrit juste en bas. Hein. Bon, néanmoins, c'est quelque chose qui va arriver. Hein, d'accord, ça va être une nouvelle qui va être déboussolante, ça va être. Mais il y a du renouveau. Il peut y avoir derrière, d'ailleurs, c'est assez marrant, il peut y avoir juste derrière un autre prétendant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez réussir à vous libérer de cette situation-là, qui ne vous convient plus, hein. Mais très honnêtement, là, on est les gens qui sont concernés, là, ils ne supportent plus cette triangulaire. Mais ils en ont ras-le-bol, ils en ont ras-le-bol. Donc, il peut y avoir quelqu'un d'autre, un autre prétendant qui va arriver, hein, juste derrière. Parce que justement, vous aurez fait le choix bah, de vous choisir. Et de choisir votre bonheur, tout simplement. Vous en serez récompensé. Alors, après, ça atterrit ici. Donc, ouais. Il y a une notion quand même... moi, je dirais que là, notre renard va essayer de s'accrocher aux branches, quand même. Et il peut essayer de vous faire miroiter. Et je vais être très honnête avec vous. Hein. Vous connaissez ma chaîne. Alors, on était dans des énergies là qui étaient très très bonnes. Hein, d'accord ? Ça faisait un moment que j'avais pas de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Néanmoins, moi je le dis toujours, on ne peut pas avoir que des bonnes nouvelles dans des tirages, même si ceux-ci sont généraux. C'est pas possible. Il arrive un moment où c'est pas possible. Il y a forcément, il y a un moment ou un autre dans la vie, un peu la tuile qui nous tombe dessus. Bon, là ce que j'ai à vous annoncer, ça va pas vous faire plaisir parce que, en fait, votre petit renard là, voilà. Votre autre, qui est déjà engagé, parce que c'est lui qui est engagé, hein, c'est pas vous, hein, clairement, il va vous faire miroiter la séparation. Il va vous faire miroiter la séparation avec la compagne ou le compagnon officiel. Sauf que c'est du leurre. C'est du leurre, ça va être vraiment pour essayer de vous garder et de vous garder dans cette situation. C'est dit. C'est dit, c'est dit, c'est dit. Ouais. Alors, c'est pour gagner du temps. Il vous fera... Mais vraiment, on est là-dedans. Il va essayer de gagner du temps en essayant de vous retenir, en vous soutenant mordicus, qui va finir par se séparer, qu'il ne faut pas s'enflammer, qu'il ne faut pas s'énerver, qu'il ne faut pas rompre, que il peut y avoir du chantage affectif aussi là-dedans, hein, clairement, c'est « mais sans toi, je meurs », bon bref, sauf que c'est uniquement pour gagner du temps, moi je ne vois aucune décision de sa part. Très honnêtement, il n'y a pas de décision de sa part, j'en vois de la vôtre, il peut y avoir des décisions prises, parce qu'il y en a ras-le-bol de cette triangulaire et que de toute façon il est très bien là-dedans et cet autre, voilà, il n'a pas l'intention de décider. Mais en tout cas, moi ce que je ressens là, c'est que ça va être vraiment pour gagner du temps. En fait, il va essayer de gagner du temps en vous faisant miroiter le fait qu'il va se séparer de l'officiel. Hein, d'accord, voilà. Waouh. Eh ben, on est vraiment là-dedans, c'est ça, c'est faire miroiter une séparation. Voilà, faire miroiter une séparation pour gagner du temps.
Alors, néanmoins, on vous conseille sérieusement d'être ferme et d'être plus fort que cet autre, parce que cet autre, très honnêtement, et ça ne me fait pas plaisir de vous le dire, mais vraiment, je préfère annoncer des bonnes nouvelles, hein, mais il se joue de vous, quoi. Il se joue de vous. Très honnêtement, il est en train de se jouer de vous et vous méritez bien mieux que ça. Vous méritez, donc soyez ferme sur vos positions. Néanmoins, ce que je ressens, c'est que là, le tirage, il concerne vraiment des gens qui ont beaucoup de tempérament. Des gens qui sont forts, des gens qui ont un certain vécu, qui ont déjà eu leur galère, et que là, quand ils en arriveront à décider d'y mettre un terme, pour eux, il n'y aura pas de retour en arrière, quel que soit ce que leur autre puisse essayer de leur faire miroiter, ça prendra plus. Très honnêtement, moi, j'ai vraiment cette sensation que ça prendra plus et que ça va vous libérer pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. C'est pour ça que la transition, elle sera plus ou moins longue, c'est les messages annexes qu'on avait eus. Pourquoi cette transition sera plus ou moins longue avant d'aller vers un véritable bonheur? Bah, tout dépendra du moment où vous allez prendre cette décision justement et de vous y tenir et de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire de le laisser avec, avec son énergie tierce, hein, clairement, hein, c'est un petit peu ça. Ouais, alors, c'est être soyez fort pour une véritable renaissance. Et une renaissance à quoi? Mais à deux, hein. Mais très honnêtement, il y a quelqu'un d'autre, hein. Franchement, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et qui va beaucoup plus vous épanouir que cette espèce de galère dans laquelle vous êtes là, dans cette triangulaire depuis des mois, voire des années. Hein, très honnêtement. Mais là, il y a vraiment l'arrivée de quelqu'un d'autre et qui vous annonce une véritable renaissance à deux, qui sera libre, qui sera célibataire, ce sera fini les triangulaires et qui sera. Cette personne sera réellement disponible pour vous. Hein, d'accord? Donc ça termine plutôt bien là l'affaire. Waouh! Et ben voilà! Et ben voilà! Mais clairement, pourquoi c'est important? Et pourquoi les messages ils ne peuvent pas être que beaux? Mais parce que parfois il y a des séparations qui sont nécessaires pour aller vers un autre bonheur, quoi. Mais clairement, et ben là en l'occurrence c'est ça. Et là on est dans l'histoire durable, hein, je vous le dis, hein. Mais vraiment, ouais. Très honnêtement, là, on est vraiment dans le tirage. Il y a un mal pour un bien. Vous allez décider de mettre un terme à une situation qui ne vous convient plus, et en l'occurrence plutôt triangulaire, où vous êtes l'amant, vous êtes la maîtresse. Mais après, derrière, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui sera libre, qui sera disponible. Et en l'occurrence, là, il y aura un véritable bonheur prévu pour vous, pour lui, pour ce nouveau couple qui va naître. Donc c'est parfait. Donc c'est parfait. Bon écoutez chers amis, ben, je vais l'intituler un petit peu comme ça, hein, un mal pour un bien pour aller vers un véritable bonheur, hein, ça va être un petit peu ça. Comme d'habitude, je vous laisse en tout cas mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis si vous appuyez sur le petit plus là, eh bien il y a quelque chose qui se déroule hein, dans la description et vous pouvez cliquer donc sur le lien bleu qui est la boutique des créations et des oracles de l'anneau. Voilà. Et vous pouvez commander désormais directement chez mon imprimeur, voilà, les créations de l'anneau. Voilà. Allez, chers amis, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Prenez la bonne décision pour vous. Hein, libre arbitre avant tout, bien sûr. Je le rappelle, là, ce sont des tirages qui sont généraux. Néanmoins, là, les messages, ils sont très clairs. Hein. Les messages, ils sont très clairs. Et si ça vous parle, posez-vous les bonnes questions pour votre épanouissement. Hein, d'accord? C'est ça qui est important. Et désormais, je vous donne, moi, rendez-vous vendredi. Voilà, pour un autre tirage guidance sentimentale. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao.